Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Que la grâce de Jésus soit au partage. Désolé pour hier, connectons-nous au maximum, s'il vous plaît, et partageons la vidéo dans nos groupes. Content de vous retrouver. Et bonjour à chacun. Donc, comme on a l'occasion, à chaque fois, on donne la possibilité à nos bien-aimés d'arriver. Il y a ceux qui sont arrivés à partager et surtout à s'abonner et à aimer la page. Donc, bienvenue à votre émission Décryptage. Donc, c'est une plateforme de conscientisation, de responsabilisation. Du peuple de Dieu, pas tout droit. Donc, désolé de faire comme ça dans la voiture. On a une grande réunion avec des autorités. Le centre de courir par rapport à ça. Dans tous les cas, nous prêchons l'évangile en tout lieu. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, nous prêchons l'évangile. Dans des conditions favorables ou défavorables, dans la joie ou dans la tristesse, dans l'abondance ou dans la disette, dans la richesse ou la pauvreté, nous sommes appelés à prêcher Jésus-Christ. Donc, si tu es d'accord avec moi, partage la vidéo, partage-la à tout le monde, surtout dans vos groupes partagés, s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et aimez notre page. On a besoin de 12 000, 12 000 j'aime la page. Donc 12 000 j'aime pour la page. Donc on est déjà plus de 10 000. On a besoin de beaucoup plus de j'aime et aussi d'abonnement. Voilà. Donc si vous nous écoutez, vous nous suivez, vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît. Bienvenue à Chouna Siri. À Léonie Bonoha. Il y a qui encore qui est déjà là? Pascaline Dosset. Voilà, bonjour Pascaline. Adèle Florencia, princesse Ongla. Bonne arrivée, que Dieu vous bénisse. Einst Étienne. Wow, Einst. Corel Denko, signe, que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée à tous. Je suis content de vous recevoir dans cette plateforme. Je vous traduis les salutations de Maman Ikane. Shalom. Adèle Florencia, princesse Ongla. Ça, c'est un nom redoutable. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée à tout le monde. Bonne arrivée à tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va réfléchir sur un sujet. On va parler de l'impact de l'Église sur notre génération. L'impact de l'Église sur notre génération. Et je vais un peu parler du cas du Cameroun. Voilà, l'impact de l'Église sur cette génération. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Nous prions que ta main soit avec nous en ce moment et que après cette rencontre, que chacun soit révolté dans son esprit pour définir un élément par lequel tu passeras pour apporter la flamme du réveil dans son milieu d'influence et dans son champ de prédilection, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonne arrivée encore à tout le monde. Je vous aime et nous vous aimons chaleureusement. Mon épouse et moi, nous vous bénissons dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Nous parlons de l'influence de l'Église aujourd'hui dans notre génération, dans nos sociétés. L'influence, quand on parle de l'Église, il s'agit de toi et de moi. Quelle est l'influence que nous avons? Pour nous qui sommes Camerounais, quelle influence nous avons sur le Cameroun? Pour toi qui es peut-être Burkinabé, qui es Togolais, qui es Français, qui est, je sais pas, Béninois. Est-ce que tu influences ton pays? Voilà. Parce que l'influence générale, l'influence commune, c'est-à-dire celle de l'Église, dans une nation, en fait, c'est l'association des influences individuelles qui produit l'influence commune. Ça veut dire là, c'est l'Église qui intervient. Il faut que les individus influencent déjà leur génération. Et comme ça, la communauté, elle aussi, influencera sa génération. Qu'on ne vous mente pas, le christianisme a regardé faux dans beaucoup de choses. Nous avons conçu certaines choses très mal. On a très mal
conçu certaines choses, on a très mal préconisé un certain nombre de choses. Et notre inspiration, parfois, elle n'est pas totale. Ça veut dire que nous manquons d'ambition dans l'Église. Et parfois, les diverses interprétations de la Bible ont conduit aussi à la confusion et nous avons pris un très, très gros retard. Vous savez que lorsque vous regardez entre le christianisme et l'islam, on a environ 1500 ans, 1600 ans environ de distanciation. Mais aujourd'hui, l'islam est la deuxième. Donc, reste, on va réfléchir ensemble. Permettez-moi d'appeler, s'il vous plaît. Merci, vous êtes trop gentil ce matin. Ne te déconnecte pas, pardon. Reste. Okay. Donc, on parle de l'influence du chrétien. On doit influencer notre génération, on doit changer les choses. Je vais vous faire le résumé de mon étude, mes études. Ok, ça sonne. Allô? Noé? Noé Fahin? Oyamda Fahina? Ok, d'accord. Pas si motion. Rolona. Eh? Allô? Allô, maman? Noi? Allô? Noi, nous de femme à Bandoma. Et comme oui, non? Ya Allah mi do toraje mama inde Isa al-Masihu kala nyaw der bandu mako pat mi do tora jonta do iyamada nasta bandu mako hurgamo nyawnda mo kalaw ida hore hakos dende inde Isa al-Masihu mi do tora sombri man do jonta do umma bandu ma acca bandu ma dende Isa al-Masihu mi do tora ruhu ceni do wona be mada wona der mada o hokka masembe a ummita jonta do adara a joda wala problem sam ya allah mi yetti mangam amma ido gafangal je amine iyam mada ili ngam hisna amin a hisna amin im do tora jonta do iyam man do wolwa do dada am de inde sal masiyo mi yetti ma ngam bawde ma do mako jonta do bawde ma da do mako de inde isa al masiyo mi tori amina o ma pasi na maisha usheni. Y a Changonga. Et c'est Bewadi, Sukar, fin, tout Sukar, en derrière, Wandoma, Kofaina. Ok, Anil, dis-moi le résultat, où c'est ni. Et maintenant en direct, quand je vois le numéro ferré, quand je vais téléphoner à Jolie, tout à l'heure. Ok, désolé, ça c'est un moment compliqué vraiment. Nous combattons les combats de l'éternel. C'est ma mère, elle ne se porte pas bien et joignez-moi dans la prière. Nous sommes en train de prier. Les temps s'ils sont compliqués. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Donc, je parlais de l'impact de l'Église. L'impact de l'Église sur notre génération. J'ai fait des études pour essayer de regarder l'impact de l'Église. Et je me suis rendu compte que nous avons pris un très grand retard. Pourquoi? Parce que le diable a profité de nos faiblesses pour nous soulever, nous distraire par des questions qui ne sont pas des questions primaires. Ça veut dire que les divisions, les combats entre les hommes de Dieu, les combats entre les chrétiens, les combats entre... Ça veut dire que le peuple de Dieu, au lieu de lutter contre Satan, lutte contre lui-même. Les enfants de Dieu, au lieu de combattre l'ennemi, se combattent entre eux. Et Satan a trouvé une très belle occupation pour nous. Et ça fait que
c'est les calomnies. Quand les hommes de Dieu se rassemblent, c'est les calomnies pour parler mal les uns des autres. Et quand le peuple de Dieu se rassemble, les frères se rassemblent, c'est aussi pour parler mal les uns des autres. Donc ça fait que la responsabilité qui est la nôtre de changer le monde, comme Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde, on n'a donc pas le temps de définir la lumière du monde. On n'a pas le temps de définir le sel du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement, tellement occupés à nous combattre les uns les autres et à faire ce que Satan nous veut faire et non pas ce que Christ nous veut faire. Et avant de continuer, je voudrais annoncer à la BIR, on a la visite de l'artiste international, mondial, universel. À la BIR, elle passera son culte à la BIR avec son équipe en vue de la préparation du grand concert qui aura lieu ce samedi 27 février. Voilà. Donc, au musée national, nous vous invitons à ne pas manquer à ce culte de célébration avec elle. C'est elle qui nous dirigera. Il y aura des prestations extraordinaires, fantastiques pour te préparer. Et les billets seront aussi disponibles. Donc, viens, prends ton billet et rends-toi au musée national le 27, samedi le 27, à partir de 17h. Que Dieu te bénisse. Ça sera extraordinaire. Et ce vendredi, à partir de 21h, nous avons la grande nuit des flammes à la BIR toujours. Donc, ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Vraiment, distingue-toi en cette année 2020-21 dans ta manière de servir le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous parlons de la responsabilité de l'Église. Et je veux aussi dire que à Douala, je serai à Douala du 1er au 4. Nous aurons un grand programme de réveil à Douala du 1er au 4. Explosion du miraculeux, du prophétique. Du 1er au 4, on va travailler ensemble pour la délivrance des populations de Douala. On aura 4 jours d'affilée, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi et jeudi. Que Dieu te bénisse et la clôture dimanche. Alors, nous parlons de la responsabilité de l'Église. Quand vous regardez l'Église aujourd'hui, sur le plan mondial, sur le plan africain et sur le plan camerounais, vous trouverez que les mêmes symptômes qui nous frappent ici, frappent aujourd'hui, nous sommes en train de perdre notre responsabilité, celle qui est précisément d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, nous ne sommes pas encore la lumière du monde et on n'est pas le sel de la terre. C'est compliqué. Il y a tellement de combats entre nous, de divisions, tellement de choses. Et quand vous regardez même les choses qui nous divisent et nous séparent, c'est des choses futiles, des choses inutiles, des choses de second plan et de second rang. Donc, j'ai essayé de faire des études pour voir l'influence de l'Église, commençant par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous voyez, quand j'ai regardé le ministère du Seigneur Jésus-Christ à lui-même qui est le fondateur de l'Église, je me suis rendu compte que même le Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu de percée politique. Laissez-moi vous parler de la percée politique parce que ce qui manque à l'Église aujourd'hui, c'est la percée politique. On peut avoir la percée économique, ça on a ça, c'est vrai. Il y a dans l'Église de Joseph d'Arimathée des personnes assises financièrement et dont la richesse influence les gouvernements, ça on a ça. On peut parler de Papa David Oyedepo, par exemple, et beaucoup d'autres jeunes hommes de Dieu, apôtres et prophètes dans le monde entier qui se sont distingués, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, etc. Vraiment, nous avons touché du bout du doigt cette gloire dans l'Église. Donc, l'influence de l'Église doit être tricamérale. Tricamérale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église doit influencer. La société, elle est tricamérale. Elle est basée sur trois noyaux. Et ces trois noyaux, c'est quoi? C'est l'État, c'est la société et c'est la religion. Voyez. Voilà les trois choses qui forment une société. On a la religion, on a l'État et puis on a la société elle-même. Donc, tout groupe humain est divisé en ces trois catégories. Et l'Église devrait donc influencer ces trois catégories qui constituent le noyau même existentiel de l'humanité. L'Église, sur le plan social, a eu à faire des choses extraordinaires. On a conçu des hôpitaux, on a conçu des universités. On a, sur le plan économique, influencé les économies de beaucoup de nations en Afrique, particulièrement, et même en Europe et aux États-Unis. L'Église a travaillé sur ce point, il n'y a rien à faire. On a réussi. On a fait quelque chose que les apôtres eux-mêmes n'avaient pas réussi à faire. On a dit qu'on a le plan social, on a le plan social, on a le plan étatique, on a le plan religieux. Sur le plan religieux, on parle du christianisme aujourd'hui. Personne ne peut nier ce fait-là. Ça veut dire que le christianisme aujourd'hui rassemble plus que le football dans certains pays. Voilà. Donc,
On a vu des prédicateurs rassembler plus qu'un match de football comme l'évangéliste Rena Bonke. Ils sont très très nombreux aujourd'hui. On a vu Bouchiri Chefat en Afrique du Sud rassembler plus que lors des matchs de football. Donc dans ce cas-là, sur le plan social, sur le plan religieux, le christianisme n'a plus à se défendre ou bien à prouver quoi que ce soit dans ce domaine, sur le plan religieux. On a un nom, on parle, on a des voix qui parlent sur le plan religieux. On a des nations où des prédicateurs deviennent avec des chefs d'État. C'est important, nous bénissons Dieu pour cela. Mais la troisième strate est celle qui devrait nous permettre de prendre le contrôle de tout. Et c'est dans ce domaine-là que nous avons échoué, au niveau de la politique. Au niveau de la politique, l'Église, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou bien dans d'autres nations, l'Église a fait peu de progrès dans ce domaine-là. Vous savez, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai regardé dans le ministère de Jésus-Christ, il n'y avait pas d'homme politique influent. Jésus avait comparu devant des rois, devant des gouverneurs, mais c'était pour être jugé. Ce n'était pas en tant qu'influenceur. Vous voyez, les apôtres eux-mêmes n'ont pas eu d'influence auprès des rois, non. La seule mention, la seule prouesse qui a été faite dans le Nouveau Testament, ce n'était pas un apôtre, mais c'était un évangéliste. C'est l'évangéliste Philippe dans Actes 8, verset 27. La Bible dit dans Actes 8, verset 27, il se leva, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend dans Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Bon, etc. Donc vous verrez dans ce passage que Philippe va finir par baptiser l'eunuque éthiopien qui était ministre de Candace, la reine d'Éthiopie. Et il va le baptiser, il deviendra un chrétien et un fidèle disciple de Jésus-Christ, un membre, un disciple de Philippe aussi. Donc c'est le seul exemple dans le Nouveau Testament où on voit un ministre donner sa vie au Seigneur. Vous savez que par exemple, le proconsul Sergius Paulus, que Paul a essayé de convertir avec l'histoire d'Eliman le magicien. Paul n'a pas réussi à convertir Sergius Paulus, qui était une autorité gouvernementale. Vous voyez, il n'a pas réussi. Donc, ça veut dire que dans l'Église de Jésus-Christ, quand lui-même était vivant, il n'y a pas eu une percée sur le plan politique et étatique. Non. Au contraire, le gouvernement et l'État voyaient Jésus-Christ comme une menace, comme un danger. Donc, c'est cette image-là qui subsiste encore aujourd'hui. L'Église, dans ce domaine, n'a pas eu à faire de prouesses. Les apôtres aussi, lorsqu'ils sont arrivés, n'ont pas aussi eu à avoir dans l'Église des gouverneurs, dans l'Église des présidents, dans l'Église des ministres. Vous voyez, lorsqu'on parle même de l'Éthiopien, l'unique Éthiopien, qui était le ministre de Candace, ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances de Candace, ce n'était pas un produit de l'Église. Vous voyez. Donc, dans ce point-là, l'Église ne peut pas dominer le monde. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Église n'a pas d'autorité étatique, n'a pas d'influence sur le plan politique et gouvernemental. Lorsque vous regardez l'Église catholique romaine, par exemple, aujourd'hui, le Vatican parle. Pourquoi? Parce que beaucoup de présidents chrétiens sont catholiques. Beaucoup de ministres chrétiens sont catholiques et adhèrent à cette religion. Et ça fait en sorte que si vous avez des présidents qui adhèrent à votre religion, vous avez des gouverneurs qui adhèrent à votre religion, automatiquement, leur pouvoir est transféré à l'Église. Vous voyez? Et l'Église devient intouchable. Je ne vois pas qui va mettre la main sur une Église où le président de la République persévère. Je ne vois pas qui va mettre la main sur une Église où un ministre persévère. Donc là, ça pose un réel problème aujourd'hui. Et 70 ans après l'histoire de l'Église au Cameroun, il faut pleurer sur le Cameroun. Il faut pleurer sur l'Église au Cameroun. Il faut pleurer parce que s'il faut essayer de travailler sur la durée de l'œuvre de Dieu au Cameroun, je pense que l'Église au Cameroun va quand même à 70 ans aujourd'hui. Donc 70 ans après, comment est-ce que vous expliquez qu'on n'a pas de ministre dans nos églises? 70 ans après, comment vous expliquez qu'on n'est pas plein de gouverneurs? 70 ans après, comment vous expliquez qu'on n'est pas de préfet, qu'on n'est pas de sous-préfet qui pullulent dans nos églises? 70 ans après,
Comment expliquer que nous n'ayons pas des sénateurs, que le président du Sénat ne soit pas dans une de nos églises, ou bien que le président de l'Assemblée nationale ne fasse point partie de nos églises, de l'une des églises du Seigneur, ou alors que ces grandes personnalités qui influencent l'État ne fassent pas partie de l'église de Jésus-Christ. On va voir pourquoi. Alors, c'est un déficit. À partir du moment où nous n'avons pas ces personnalités au milieu de nous, on ne peut pas influencer le gouvernement, puisque ce sont ces personnes-là qui décident sur la nation. Ce sont ces personnes-là qui décident des rencontres, de qui est invité ou qui n'est pas invité. Donc, ce n'est pas une chose étonnante qu'on ne soit pas invité lorsqu'il y a des rencontres où il faut que les religieux puissent rejoindre les décideurs étatiques pour prendre certaines décisions sur la nation. Alors, ceci est dû à quoi? C'est dû au fait que l'Église n'ait pas produit des enfants à l'intérieur d'elle qui soient des grands dans le gouvernement. Lorsque vous regardez le cas du Cameroun aujourd'hui, je pense qu'on doit pleurer. Parce qu'après 70 ans d'histoire, comment l'Église n'a pas pu produire un président de la République après 70 ans? Comment après 70 ans, on n'a pas de ministre? Donc tous nos enfants, je parle des enfants intérieurs de l'Église, internes de l'Église, tous ces enfants-là qui ont cru, supposons ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ dans les années 50. Aujourd'hui, ils ont 70 ans dans l'Église. Donc toute cette multitude d'enfants de Dieu qui a connu Jésus-Christ en 1950 au Cameroun, comment expliquer que personne d'entre eux ne soit président de la République, que personne d'entre eux ne soit ministre, que personne d'entre eux ne soit parmi les gouvernants politiques de notre nation? Et je pense que c'est peut-être la même chose aussi chez vous. Regardons même le cas au Nigeria, où l'Église quand même a une certaine influence, une certaine renommée. Mais sur le plan politique, comment est-ce que l'Église du Nigeria n'arrive pas aujourd'hui à décider que toi, tu es fils de l'Église, toi qui es chrétien, on va te voter? Vous pensez que l'Église du Nigeria n'a pas assez de pouvoir, d'autorité pour pouvoir choisir un président et le mettre au pouvoir? Non, ils ont le pouvoir là. Il y a cette possibilité, l'Église du Nigeria a cette capacité. C'est-à-dire l'Église du Nigeria, si elle se rassemble, on a des églises au Nigeria qui chaque dimanche rassemblent plus de 1 million de personnes. Si on prend tous ceux qui sont nés de nouveau au Nigeria, je vous dis la vérité, ça suffit pour mettre quelqu'un à la présidence, pour voter quelqu'un. Donc si l'Église au Nigeria décidait de façon unanime pour dire que toi, tu es notre fils, nous décidons de faire de toi le président du Nigeria, elle allait le faire. Mais elle n'a jamais fait cela. Pourquoi? Parce que la division, elle est divisée. Si une dénomination, si une partie de l'Église dit OK, peut-être le régime church dit OK, on veut que notre fils soit président. Les autres, peut-être Full Gospel va dire non, non, s'il est président, c'est à Redeem que les bénédictions iront. L'influence, c'est Redeem qui va gagner de cette bénédiction-là, de cette grâce-là. Nous, on ne gagnera pas. Et puis, voyez, peut-être Winna Chapel va dire non, moi, je ne peux pas aller. Dis pas là, il va dire non, non, je ne peux pas. Mais si l'Église vient à s'unir, on va réussir. Ça, c'est la première chose. L'unité de l'Église manque gravement. Pas seulement dans notre pays au Cameroun, mais dans d'autres pays d'Afrique. Voilà l'une des causes pour lesquelles nous n'influençons pas notre génération. Vous voyez. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est que nous regardons la politique comme un problème. C'est-à-dire que pour nous, la politique, c'est un problème. Nous enseignons contre la politique. Et en enseignant contre la politique, nous commettons une très grave erreur. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont été dans l'Ancien Testament, par exemple, ont été des politiciens. Ça veut dire que David, c'est un roi. Donc, on ne peut pas être roi sans politique, vous le savez. Et on avait ce qu'on appelait des prophètes d'État, qui étaient des politiciens en réalité, qui influençaient les élections présidentielles, qui influençaient. Vous regardez par exemple Ésaïe, c'était un prophète d'État. Vous voyez, vous regardez par exemple le prophète Nathan, c'était un prophète d'État. C'est Nathan qui fait en sorte que Salomon prenne le pouvoir. Il est impliqué dans la politique. Il dit à Bathsheba, toi avance. Dis au roi, parle au roi, parle au cœur du roi. Tu avais promis que Salomon serait le prochain président. Et quand tu feras comme ça, moi j'entrerai. C'est comme si on ne s'est pas vu. Et je vais prophétiser maintenant. Et David sera obligé de mettre Salomon comme le président de la République. Et c'est ce qui s'est passé. Bathsheba a commencé à dire à David, mais tu avais promis que mon fils serait le président, le futur président après toi. Et puis Nathan est arrivé, il s'est présenté devant le roi et il a dit ainsi par l'Éternel, c'est Salomon qui doit être le prophète. Bon, le président de la République. Et Nathan a influencé l'élection de Salomon en tant que le président de la République.
Donc, quoi que ce soit, c'était un système monarchique. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ces hommes-là ont servi Dieu en étant des politiques. Vous voyez, ils ont servi Dieu en étant des politiques. Et David a mené une vie de politique propre et claire, c'est-à-dire avec des guerres, etc., etc. Et quand il meurt, il y a des opposants. Il donne la liste des opposants politiques à son fils Salomon et lui dit que je te fais confiance, tu ne permettras à aucun d'eux de mourir d'une mort naturelle, que personne ne meure gentiment, ça veut dire qu'innocemment. Tu dois te rassurer de les exécuter tous. Ça, c'est la politique, vous voyez. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut suivre, mais je dis que Dieu était engagé avec un tel homme qui était engagé dans la politique. Et vous verrez que beaucoup d'autres rois, tous les rois d'Israël, étaient des serviteurs, qui ont été des grands serviteurs de Dieu, comme Ézéchias qui a mené une grande révolution, étaient des hommes politiques. Vous voyez. Donc la politique n'est pas un problème en soi-même. La politique n'est pas un problème. L'Église n'a pas compris cela et on a pris 70 ans de retard au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on a dit à nos enfants et l'Église nous a dit, méfiez-vous de la politique. Vous voyez. Donc je pense que si nos enfants avaient été encouragés, on leur avait montré la politique dans le sens biblique, la politique dans la pensée de Dieu. Parce qu'il y a la politique humaine et il y a la politique dans la pensée de Dieu. Je ne parle pas d'une politique machiavélique, je parle de la politique par Dieu. Parce que Dieu lui-même est un politicien. Vous ne pouvez pas dire que Dieu n'est pas un politicien parce qu'il dirige tout un gouvernement au ciel. C'est de la politique. Et que Satan puisse être dans l'opposition, il a organisé un parti d'opposition qui a été formé de plus de un tiers des anges au ciel qui sont devenus des démons. Donc jusqu'à aujourd'hui, Satan est dans l'opposition. C'est un parti politique d'opposition contre Dieu. Donc, vous voyez, la politique est une réalité. La politique, en fait, regardons la politique dans son sens primaire. Ça veut dire que c'est juste la gestion des affaires de la cité. C'est un peu cela. Donc maintenant, l'Église a donc pris ce grand retard en sorte que nos enfants ne se sont pas engagés, les fils de l'Église ne se sont pas engagés dans le domaine de la politique pour être des députés, pour sortir par exemple des ministres, pour être des chefs d'État, pour être des présidents de la République. Ce chemin-là, on a dit que par exemple au Cameroun, si tu pars par exemple, tu es à la présidence de la République, ça dit que tu es un sorcier. Je prends le cas de notre frère, le ministre Baboké. C'est un problème. Aujourd'hui, je pense que le plus grand combat qu'il mène ou que son ministère mène, aujourd'hui, ce n'est pas les païens, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il travaille à la présidence, donc c'est un sorcier. Et ça, je dis ça là, je suis très sérieux là-dessus. Beaucoup d'hommes de Dieu ont fait des conférences. Ok, quand ils travaillent à la présidence, donc personne ne peut travailler à la présidence sans être sorcier. Vous voyez. C'est cette mentalité rétrograde, cette mentalité pleine d'obscurantisme qui a fait en sorte qu'on puisse régresser aujourd'hui et que l'Église n'avance pas. Dès que quelqu'un est riche, on dit qu'il a trempé. C'est ça l'ennemi du progrès de l'Église aujourd'hui. Cette mentalité obscurantiste qui provient de la pauvreté dans laquelle nous avons été embrigadés, encadenassés et enchaînés. Donc, il faut d'abord être délivré de cette mentalité, de cette mauvaise façon de voir les choses, ou bien de juger, ou bien de déterminer les choses, ou bien de juger les personnes, ou bien de catégoriser les gens. Vous voyez? Donc, avec ce genre de mentalité, comment est-ce que nous allons avancer? Nous avons découragé nos enfants à être des ministres. On a découragé nos enfants à être des gouverneurs. On a découragé nos enfants à s'engager, à organiser des partis politiques. Et ça fait en sorte que aujourd'hui, les décisions se prennent sans nous. Nous sommes marginalisés, nous sommes presque inexistants et ça pose des problèmes. Avoir un président de la République dans ton église n'est pas un péché. Tout le monde aujourd'hui, aucun pasteur ne dira qu'il n'a pas besoin des faveurs d'un président de la République. Non, non, c'est faux. C'est-à-dire que personne ne dira que non, si le président de la République vient dans mon église, je vais le chasser. Non, c'est un honneur. Si le président de la République vient dans mon église, je serai très, très honoré de le recevoir. Mais il ne faut pas oublier que c'est un chef de parti politique. Il est président de la République par la politique. C'est la politique qui l'a mené au pouvoir. Donc il faut comprendre que l'Église doit cesser de mal voir certaines choses. Et je veux dire une chose, ce n'est pas une insulte, mais c'est une remarque qui est vraie. C'est un constat qui est réel. C'est que, vous voyez, par exemple, pour nos Camerounais, nos pères, les pères de l'Église du Cameroun, qui nous ont transmis l'Évangile, vraiment ont été vrais. Ils ont été sincères. Ils ont été très sérieux. Ils ont aimé Dieu de tout leur cœur. Ils ont aimé Dieu de toute leur âme, de toute leur force. Ils ont servi Dieu dans un esprit de consécration dont on ne peut même pas douter. Mais, cependant, leur niveau scolaire a beaucoup joué sur l'héritage qu'ils nous ont donné.
Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre la Bible au-delà de leur niveau scolaire. Ils ne pouvaient pas interroger la Bible au-delà de leur niveau scolaire. Ils ne pouvaient pas interpréter les textes sacrés au-delà de leur niveau scolaire. Voyez. Donc ce niveau scolaire-là a influencé leur compréhension de la Bible et automatiquement a aussi influencé ce qu'ils nous ont transmis. Nous avons été influencés par cela. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été léguées en héritage qu'il faut revoir, il faut réviser. Je vous dis la vérité. Je ne suis rien pour dire que je vais rectifier les travaux des pères, mais ce que je dis est très sérieux. Il y a beaucoup de choses que nous allons revoir dans la vision de nos parents. Je vous donne un simple exemple. Moi, je suis un pur produit de la vraie église de Dieu, de Papa Nestor Tokeya. À la vraie église de Dieu, l'une des doctrines fondamentales, c'est que Gamma Inassa Losma, Père, que ce vent passe. Père, je t'en prie, que ce vent passe. Seigneur, je t'en prie, épargne-moi, que ce vent passe. Père, ne permets pas ça, ne permets pas ça, ne permets pas ça. Saint-Esprit, ne permets pas ça, je t'en prie. Dans le nom souverain de Jésus. Père, ne permets pas ça. Père, lève-toi, je t'en prie, ne permets pas ça. Au nom de Jésus. Ok, regardez. Vous voyez, par exemple, à la vraie église de Dieu, on enseigne que si quelqu'un n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit et ne parle pas en langue, il ne sera pas sauvé. Bon, c'est une doctrine fondamentale à la vraie église. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit jusqu'à parler en langue, tu ne seras pas sauvé. Bon, maintenant, c'est le niveau de compréhension de notre feu, papa. Papa Nestor Tokeya, vous voyez? Mais qui, cependant, n'est pas forcément juste. Mais il a enseigné sincèrement, c'était son niveau de compréhension des Écritures à son époque. Le salut n'est pas basé sur le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langue. Non. Le salut est basé sur l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Ça veut dire quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ne dit pas à tous ceux qui parlent en langue. Non. Il dit si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ouais. Donc le salut est attaché à l'acceptation dans son cœur de Christ et à la confession. C'est-à-dire au témoignage de Christ par notre bouche. Et non pas dans le parler en langue, ou bien par le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, selon Actes chapitre 1, verset 8, c'est pour être témoin, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous deviendrez mes témoins. C'est-à-dire que l'Esprit fait de nous des martyrs. C'est l'Esprit des martyrs, en fait. Quand vous regardez dans Luc chapitre 10, à partir du verset 17, la Bible dit les 70 revinrent avec joie. Et il disait, Seigneur, les démons nous étaient même soumis en ton nom et Satan. Et Jésus leur répondit, je voyais moi-même Satan tomber du ciel comme un éclair. Et écoutez ce que Jésus leur dit, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Hein? Et l'heure éternelle. À l'époque où Jésus leur dit que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle, ils ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ne parlent pas encore en langue. C'est avant la Pentecôte. Parce que la Pentecôte a eu lieu après l'ascension de Christ. Mais Jésus disait que leur nom était inscrit dans le livre de la vie éternelle. Quiconque dont le nom ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps ardents de feu. C'est la seconde mot, les temps ardents de feu. Dans Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 20. Chapitre 20, à partir du verset 11. Donc, vous verrez bibliquement là-bas clairement que le salut n'est pas attaché au parler en langue. Mais le salut est attaché au baptême. N'est pas attaché au baptême dans le Saint-Esprit ni au parler en langue. Mais à l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et la nouvelle naissance. Ce n'est qu'un exemple. Il y a trop d'exemples que je peux donner là-dedans. Il y a trop d'exemples que je peux donner dans les Saintes Écritures et pour essayer de montrer la limite de l'héritage que nous avons reçu de nos pères. Et cela nous prouve tout simplement que le niveau scolaire peut influencer. À l'époque, aller à l'école, vraiment, ce n'était pas donné à n'importe qui. Donc, il faut comprendre le contexte dans lequel eux vivaient. Aller à l'école, c'était compliqué. Il fallait avoir les moyens, ce n'est pas tout le monde qui allait à l'école. Donc, ils n'ont pas eu cette chance-là et Dieu les a appelés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons être cultivés. On doit être ouvert pour mieux comprendre notre génération et pour l'influencer. Vous influencerez le monde, mais à la mesure de votre ouverture d'esprit, à la mesure de votre intellectualité. Donc l'intellectualité ne remplace pas la spiritualité et la spiritualité ne remplace pas l'intellectualité. Qu'on ne vous trompe pas. L'intellectualité a sa place et la spiritualité a sa place. De même que l'argent ne remplace pas l'onction et l'onction ne remplace pas l'argent. L'argent a son rôle, a son onction à elle et l'onction a son rôle à elle.
Donc on peut dire quoi? Toutes ces choses-là sont utiles pour l'Église. Donc rejeter une partie de ces choses, ou bien renoncer à une partie de ces choses, ou enseigner contre ces choses, c'est de l'immaturité et c'est cet esprit rétrograde qui nous a maintenus en arrière aujourd'hui. Donc je pense que il fallait plutôt encourager l'Église à travailler pour influencer notre génération. Regardez l'islam par exemple. L'islam décide aujourd'hui, l'islam parle. L'islam parle dans le monde. Dans le monde aujourd'hui, il y a deux grandes religions qui s'imposent. Il y a le catholicisme et l'islam. Vous voyez, l'islam, pourquoi? Parce que beaucoup de chefs d'État sont dans l'islam. Tous les chefs d'État musulmans sont islamiques, sont dans l'islam. Tous les chefs d'État du monde qui sont musulmans sont dans l'islam. Alors automatiquement, les cheikhs, les chefs religieux peuvent faire véhiculer leurs pensées et leurs décisions en influençant les chefs d'État. Vous voyez, en influençant les chefs d'État. Donc c'est un peu cela qu'il faut comprendre. Je pense que l'Église doit prendre conscience. Comment après 70 ans au Cameroun, nous n'avons pas pu influencer le Cameroun? On n'a pas de ministre, on n'a pas de président de la République, on n'a pas de gouverneur, etc. Que chaque homme de Dieu puisse comprendre cela et prendre sa responsabilité. Que chaque enfant de Dieu porte ses responsabilités en main. Au lieu de nous diviser, au lieu de nous combattre les uns des autres, au lieu de chercher à nous ruiner, toujours à critiquer telle est montée, telle église comme ça. Oh, sa veste a telle couleur, pourquoi c'est telle couleur? Pourquoi il a mis le nœud papillon, etc. Ces choses-là ne nous aideront pas à avancer. Il faut plutôt comprendre que nous avons pris un très gros retard et qu'il faut travailler. Les chrétiens sont parmi les plus médiocres. Les chrétiens sont parmi... C'est-à-dire que nous sommes parmi... C'est-à-dire que on a remplacé Satan dans le rôle qu'il devrait jouer. C'est-à-dire que c'est nous qui nous tuons les uns les autres. On se salit les uns les autres. On se ruine les uns les autres. Entre-temps, Satan est en train de voler notre héritage. Donc que l'Église se réveille. Nous devons prendre nos responsabilités en main. On doit chercher à influencer notre génération. Et on ne peut pas parvenir à cela. Un, si on n'est pas unis. Et de deux, si on n'encourage pas nos enfants à s'engager dans la politique. Donc c'est important. Nous, on est des hommes de Dieu. On est appelés en tant que religieux. C'est notre domaine. Mais il y a des enfants qui peuvent être encouragés, qui peuvent faire des études en politique et qui peuvent avoir une très belle carrière politique, qui peuvent être députés, qui peuvent être des maires, qui peuvent être des sénateurs, qui peuvent être des gouverneurs. Vous voyez, on inscrit nos enfants en Sciences Po, on les encourage à faire des études à l'étranger et ils reviennent. Ils sont recrutés dans le gouvernement, ils commencent une ascension fulgurante. Ils deviennent vice-présidents, à premier ministre, après ils deviennent président de la République, etc. C'est là le travail qu'il nous faut. C'est là, à partir de ce moment, qu'on dira que nous sommes en train de devenir la lumière du monde et le sel de la terre. Donc ma prière pour vous, c'est... Est-ce que vous influencez votre génération? Est-ce que j'influence ma génération?